Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau en forme de terrain de foot à l'occasion de l'anniversaire d'un petit garçon. C'est un gâteau qui plaira aussi aux plus grands pour fêter la Coupe du Monde. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un brownie. Pour la recette du brownie, vous pouvez consulter la vidéo de Robin ici. Pour la ganache, 250 g de mascarpone, 50 g de sucre glace. Pour la déco, 4 petits drapeaux, des biscuits chocolat blanc, de la pâte à sucre verte prête à l'emploi, un crayon pâtissier blanc au goût vanillé et quelques bougies de foot vaillées. Afin de faire adhérer la pâte à sucre et de lisser la surface du gâteau, nous allons réaliser une ganache. Alors c'est parti, on mélange le mascarpone et le sucre glace au batteur. Notre ganache est prête, on va pouvoir la répartir sur le dessus du gâteau. Choisissez la surface la plus lisse et comblez les irrégularités avec la ganache. On va maintenant travailler la pâte à sucre. On a choisi la pâte à sucre verte pour représenter la pelouse d'un terrain de foot. Sur un plan de travail propre et sec, saupoudrez d'un peu de sucre glace. Allons-y! On étale notre pâte à sucre avec le rouleau à pâtisserie afin d'obtenir un rectangle suffisamment grand pour recouvrir le dessus de notre gâteau. Assurez-vous que l'épaisseur de la pâte soit bien régulière. Avant de recouvrir notre brownie, on découpe un rectangle dans notre pâte à sucre de la même taille que notre gâteau. Nous avons choisi de ne pas recouvrir les bords pour laisser apparaître la croûte du brownie qui représente la terre. Donc pour faire le marquage, j'utilise un crayon pâtissier blanc vahiné. Pour des contournettes, j'ai réalisé des patrons en papier. Et je vais suivre les formes avec le crayon. On va maintenant préparer les buts. Pour cela, j'utilise le reste de ma ganache pour fixer les biscuits entre eux. Pour les poteaux extérieurs, je coupe chaque extrémité des biscuits, auxquels je viens ajouter les autres bâtonnets. Pour finaliser la décoration du gâteau, je dispose les drapeaux aux quatre coins, les bougies, et je place mes buts. Et voilà, notre gâteau est maintenant terminé. Vahiné et Cuisine AZ souhaitent un joyeux anniversaire à tous les petits garçons et une belle Coupe du Monde à tous les amoureux du foot. Retrouvez toutes nos recettes Vahiné sur l'onglet déco de Cuisine AZ. Et moi, je vous dis à bientôt !